Et puis, tout doucement, nous nous retrouvons en 1983. En janvier 1983, nous avons dansé sur le réveillon, enfin pendant les réveillons, sur ce disque. Vous vous souvenez ? Numéro 1 dans le hit parade international de Radio Cité en janvier 83. Michael Jackson, Billie Jean. '83 allait devenir l'année Michael Jackson et puis aussi l'année David Bowie puisque Let's Dance a été numéro 1 dans le hit parade international en janvier, février, mars, avril, mai 1983. Michael Jackson, Billie Jean en janvier 83 numéro 1 et en juin 83 Michael Jackson avec Beat It. 85 minutes dimanche après-midi, vous êtes sur Radio Cité, la radio du week-end avec jusqu'à 17h le hit parade du hit parade international. Beat It, Michael Jackson, numéro 1 en 83, comme David Bowie, je vous l'ai dit, avec China Girl et Let's Dance. Michael Jackson encore avec Wanna Be Started Something. Et puis, juste après, toujours en 1983, on va se pointer à un vieux rocker qui ressemble un peu à Ray Cox. Oh, il est... Fâché, non c'est vrai, il te ressemble pas du tout. Rob Stewart, Baby Jane. Mais non, tu ne ressembles pas à Rod Stewart. Pas du tout, dis, qu'est-ce que mais tu racontes? Non, tu ne ressembles pas à Rod Stewart. Non mais bon. Par contre, je crois que tu ressembles très fort à Michael Field. Oui, non, Michael Field, donc après Rod Stewart, trouvé numéro 1 dans le hit parade international de Radio Cité par la Radio Cité. Je bafouille. Dès qu'il est là, je bafouille. Puis il y a eu Freeze, puis il y a eu Michael Field, puis il y a eu Ryan Paris. Ah, Ryan Paris. Culture Club, Paul McCartney, Michael Jackson, Lionel Richie, Billy Joel, Michael Jackson. Et puis numéro 1, en janvier 1984, où étais-tu en janvier 84, Ray Cox? Dans mon bain probablement. Oui. Frankie Goes to Hollywood, Relax. La ronde des hits du hit parade international continue sur Radio Cité jusqu'à 17h, jusqu'au 200e hit parade international. Rockwell, Somebody's Watching Me, numéro 1 en mars 1984, mois de mars 1984. Et juste après, eh bien, c'est Monsieur Lionel Richie qui fait sa grande entrée dans le hit parade international avec Hello. Lionel Richie, Hello. Il y a eu aussi Phil Collins, Against All Odds. Et en été 84, Duran Duran avec The Re. L'été 84, été Duran Duran. Puis il y a eu Cyndi Lauper, Time After Time. Les Jacksons qui se sont bien plantés avec State of Shock. Prince qui a débarqué avec When Doves Cry. Et puis Ray Parker Jr., Ghostbusters, une histoire de fantôme. Et puis numéro 1 en septembre 84. No New Year's Day. Stevie Wonder. Et nous voilà en hiver 1984, il neige beaucoup, il fait très froid. Duran Duran refait un hit avec Wild Boys et puis on voit débarquer une jeune fille, une jeune américaine qui entre directement numéro 1.
Tiens. Elle s'appelle Madonna. Décembre 1984, Madonna devient une star avec Like a Virgin. Début 85, numéro 1, Ashford et Simpson. Solid, Foreigner, I Want to Know What Love Is. Billy Ocean avec Love a Boy. Et puis, au mois de mars 1985, Madonna again avec Machine Gun Girl. Madonna, la superstar de 1985 avec Machine Gun Girl. Et puis, au mois d'avril 1985, et bien, numéro 1 dans le hit parade international de Radio Cité, USA for Africa. La suite, vous la connaissez, Tears for Fears, Paul Hardcastle, Duran Duran, View to a Kill, Sister Sledge, Tina Turner, Baltimore, Bowie et Jagger, Stevie Wonder. Et le dernier numéro 1, le numéro 1 la semaine passée dans le hit parade international de Radio Cité. Ah ah! Seront-ils encore numéro 1? Eh bien, je vous conseille, ou plutôt je vous propose, c'est plus prudent, c'est plus poli en tout cas, de rester avec nous après les informations de 17h. Nous vous proposerons le 200e parade international sur Radio Cité. Nous vous proposerons aussi en même temps plein de cadeaux. A tout de suite. Radio Cité.